Alors, la cité de Lyon a une existence antique, ça, il n'y a pas d'hésitation. On connaît déjà bien les équipements urbains, une grande ville lyonnaise, assez populeuse pendant l'Antiquité. La différence avec l'Antiquité tardive, il n'y en a pas beaucoup. Le centre-ville reste sur la colline de Fourvière, on connaît l'Odéon, on connaît le théâtre. Et du coup, les nécropoles s'installent plus au sud, plus à l'ouest, là où nous avons aujourd'hui les églises Saint-Irénée, Saint-Just. Et la descente du quartier romain vers le fleuve, vers le Rhône, vers ce qui est aujourd'hui le quartier de Saint-Jean, cette descente, c'est l'œuvre des archevêques, enfin des évêques à l'époque du Moyen-Âge. Donc à partir du VIe siècle, on descend lentement sur les pentes de Fourvière et la cathédrale actuelle donne bien une idée de ce qui est devenu le Lyon médiéval. Mais au moment d'occupation des nécropoles, eh ben, on est encore avec une ville qui est perchée sur Fourvière.